Pour réussir avec un bon portrait, oui, c'est vrai, il faut établir une relation. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de photographier les gens où je sentais que cette personne veut être photographiée par Gabor Silasi et que Gabor Silasi sent le désir de photographier cette personne. Et c'est dans ce cas que les meilleurs portraits arrivent. J'ai commencé à faire la photo. J'avais 23 à 24 ans. Et j'ai fait de la médecine, mais à cause des raisons politiques, je pouvais pas continuer mes études à l'université. Et ben, j'étais même emprisonné à cause de... Je voulais sortir illégalement du pays. Et en sortant de prison, j'ai commencé à faire des... travailler à construction du métro. Mais je voulais m'exprimer en art visuel. Mais puisque je pouvais pas, j'étais pas capable. Pas capable de peindre ou de dessiner. C'était logique que la photographie est relativement simple. Tout ce que ça prend, c'est une petite flexion de l'index droite de la main. Et dans une 125e de seconde, il y a une photo. Alors, j'ai acheté un appareil russe, un Zorki. Et j'ai commencé à photographier mes amis, la ville. Alors, tout ce qui me plaisait, je le photographiais. Ce que je trouvais important, c'est le photo, ce qu'on appelle le documentaire social, c'est-à-dire qui implique de montrer le changement. Ce qui me pousse de continuer de faire la photo, c'est la curiosité. Parce que je suis vraiment très... au point d'être indiscret, comment les gens vivent. Et la photo me permet d'entrer chez les gens, de poser des questions, de faire des photos. Alors c'est vraiment sur la curiosité. Ma série préférée, c'est peut-être Charlevoix, mais aussi les portraits d'artistes. Et une série que j'ai beaucoup aimée, c'est les diptyques portraits intérieurs où j'ai photographié une personne en noir et blanc et son intérieur en couleur. J'ai trouvé la couleur est vraiment importante dans les intérieurs. Ça définit bien la culture d'une personne. Par la photo de famille, c'était un peu symbole pour la grande famille des gens d'ici, des Québécois. Pour moi, c'était pas suffisant de faire une personne parce qu'il était intéressant ou beau, mais je voulais photographier avec sa famille. Et avec ma propre famille, après plus que 40 ans, je sentais le besoin de ramasser toutes ces photos et monter une exposition avec une petite publication qui était très importante. C'était peut-être le travail le plus intimiste de ma carrière.